In truth, I cannot tell how much time has passed since I sent that letter. Et on est de retour, nouvel épisode Darkest Dungeon. On a eu ça, rassemblement sacré. Les sœurs de Sainte-Marthe mèneront le service au chant de Nous sommes la flamme, suite à quoi elles entendront les confessions dans la salle basse. Je sais pas vraiment ce que ça fait à part donner des vestales. C'est la deuxième fois que j'ai ça. Mais bon, c'est des vestales niveau 0, quoi. Donc je comprends pas vraiment le but. C'est bête. Oui, non, c'est bête comme événement. C'est plus vraiment intéressant, en fait. C'est bien au tout début du jeu, mais après, ça sert plus à rien, quoi. En tout cas, j'ai fait un peu des éclats aussi. J'ai fait un run, c'est pas super bien passé. Du coup, j'ai dû rejouer quelques semaines. Enfin, quelques runs, du coup. Hein, parce qu'une semaine, c'est un run. Pour refaire baisser le stress et tout ça. Mais on est bon, mais on est bon. Donc on va repartir pour la cour. On va repartir avec cette équipe. Donc full esquive, vitesse. Honnêtement, je sais pas quoi mettre pour augmenter en fait ça, le choix de mettre de la vitesse et l'esquive. De ce que je vois, le fait d'avoir un 7, ça met de la vitesse et de l'esquive. Donc du coup, en fait, c'est ce que j'essaye de faire. Donc ça peut être intéressant. Mais j'ai pas vraiment de choses mieux que ça. Le problème, c'est les moins 40% de résistance et l'étourdissement, quoi. Mais bon, c'est la meilleure esquive qu'on peut avoir, c'est 15. Après, on peut mettre la cape solaire à la place. Peut-être moins dangereux, mais bon. Entre 5 esquives et 5 protections, je préfère à la limite l'esquive au final maintenant. Donc ouais. En tout cas, après, les autres sont équipés comme d'habitude. Ouais. Donc on est bon et personne n'est stressé. Oui, enfin, il y a Druel, mais Druel, ça va, il est résistant. Donc on est reparti. Oui. Non, on avait dit ça, pas besoin. Ça, oui. Tac, tac, tac. Ouais, bof. Et on va prendre 6. Est-ce que les deux sont en soif? Non. Il y a aussi les habilités, j'utilise maintenant beaucoup celle-là. Genre à terre, parce que en fait c'est vachement bien, ça recule de 2. Quand vous êtes surpris, ça aide vachement en fait. Et ça fait esquive 25, ce qui est énormissime. Mais là j'avais envie de tester un peu ça, la poudre aveuglante. Donc j'ai mis la poudre aveuglante sur les deux. Sur les deux. Donc on va voir un peu si on peut l'utiliser, tout ça. Parce que je me suis dit, c'est vrai que moins 15 en précision, ça peut être intéressant. Surtout sur les monstres un peu plus gros, quoi. On y va. La comtesse se montre. Oui, enfin, pas vraiment, quoi. Pas encore, en tout cas. Mais ouais, j'ai hâte quand même d'aller... c'est le dernier boss qu'on doit tuer, apparemment. Parce qu'on les a tous faits. Donc c'est vraiment le dernier boss à tuer, c'est la comtesse apparemment. Dans notre liste, vous vous rappelez la liste qu'on a du mec qui s'occupe du royaume en fait. On est où nous? Ah oui, on est là parce qu'on était allé dans la salle secrète. Bah du coup on va continuer par là. Ça, c'est pour le stress. Bah on va en profiter. Mais ouais, du coup, la liste est quasiment finie. Il reste plus que donc un boss et c'est la comtesse. Tout simplement. C'est la comtesse à se faire. Oh. Prodige. Ah mais c'est vachement bien en fait ça, tiens. Ah donc c'est ça l'égomanie, obsession pour l'auto-vénération. Genre il fait des choses des fois en disant oh, regardez ce que je fais quoi. Ah c'est pas mal pour lui parce qu'il est déjà très résistant en fait.
Soin reçu 20%, ça peut être vachement utile. Allez, c'est reparti. Ah, idiot. On est d'accord que les breloques 23. Oui, c'est bon, ça marche. J'avais un doute. Mais ouais, j'ai hâte que ça se finisse un peu, honnêtement. Parce que je voudrais me remettre sur, sur d'autres jeux. Et il y a d'autres jeux qui arrivent. Il y a Wulong qui m'intéresse beaucoup. C'est en gros la suite de Nioh, j'ai envie de dire. C'est le succès... Non, c'est pas la suite, c'est la... le successeur de Nioh exactement. Donc ça m'intéresse beaucoup. Donc je voudrais pouvoir vraiment me concentrer sur ça. Très bien. Je voudrais me concentrer sur ça. Il y a The Long Dark, il faut que je recommence. Pas de la précision en moins, ça tue. Et ils arrivent quand même à toucher. Pas mal, pas mal. Précision moins 12, on a esquive plus 20 et ils arrivent quand même à toucher. Donc ouais, je voudrais quand même passer un peu à autre chose. C'est pas que j'aime pas le jeu, mais... Il y a le 2 qui arrive aussi, le 2 en version 1.0 du coup. Donc le 2 va bien arriver. Il sortira sur Steam et tout. Donc ça m'intéresse. Je voudrais bien passer au 2. T'es sérieux? J'ai besoin de sang. Voilà. Ouais, on a qu'à te soigner. Impressive. De la chance, ça va le tuer. Oui, c'est bon. On est bon, on est bon. Confidence surges as the enemy crumbles. Parce que oui, c'est aussi une chose. Je voudrais pas encore être sur le premier quand le deuxième sort. Ah, j'espère qu'il y aura une. J'espère qu'il sera pas cher. Ouais, on va faire directement ligne droite vers le bas. Mais ouais, j'espère que ça sera genre 30€ max. On a des bandes. Non, c'est bon, t'es plus rempli. Contient une clé. Attends. En plein milieu du chemin? Littering gold, trinkets and baubles. En plein milieu du chemin, apparemment. Donc ouais, le 2 aussi, le Darkest Dungeon 2 m'intéresse beaucoup. Du coup, je voudrais pouvoir ne pas avoir à switcher entre le 1 et le 2, parce que ça serait une horreur, parce qu'apparemment, vu que le 2 est bien différent. Et ouais, Wulong, The Long Dark. Il y a aussi Redfall qui m'intéresse. Il y a beaucoup de jeux en plus sur le Game Pass, du coup il y a Redfall qui est sur le Game Pass, il y a Wulong qui est sur le Game Pass. Ça en fait des économies, hein. Je vais repayer, je sais pas, c'est 13€, 15€ pour un mois. Au lieu de payer. Et du coup je pourrais jouer aux deux et ça m'évitera de payer genre 60-70€ le jeu. Ça tue. On s'habitue à payer très cher, hein, les jeux. C'est sympa, hein. Enfin bref, voilà, c'est pour ça que je voudrais vraiment en finir. Je suis pas vraiment impatient, mais... Je voudrais en finir, quoi.
fait un moment que qu'on y joue à Darkest Dungeon. J'adore le jeu en tout cas. Ça restera un de mes jeux pas préféré dans le sens où j'y jouerai sans cesse et tout ça, mais un de mes jeux qui est assez haut dans ma liste quoi. Ça m'embête le stress qu'il a pris là tout à l'heure. Il est vraiment très élevé maintenant. Bon, c'est pas trop grave pour lui, mais bon, quand même quoi. Continue the onslaught. Destroy them all. Okay. Alors, ça c'était quoi? Bah tiens, le stress. Très bien. Oh, je me suis dit, ce serait trop beau. C'est pas la bonne clé. C'est quoi ça? C'est vert. Oh là là. Sans déco. C'est bien, on n'a pas de stress, je crois, en recul. Enfin, de gros stress? Non, non, c'est beaucoup moins qu'un donjon. Ouais, c'est beaucoup moins qu'un donjon. Voilà, j'imagine que genre là peut-être. Oh, torche. J'ai vu aussi le soin avec la nourriture, c'est vachement bien maintenant, c'est au moins 5 HP. Donc ça c'est vraiment cool. On va mettre un bandage. C'est au moins 5 HP en fait par nourriture maintenant. Donc ça c'est vraiment sympathique pour soigner. La dernière fois je sais pas si j'avais parlé d'une équipe que je voulais faire, mais bon, on reprend ça parce que c'est honnêtement ça marche très bien. Critique à 20 quoi. Aïe aïe aïe. Encore un, plus 40. Protection moins 9%, intéressant. Oh là là. Et puis honnêtement, ouais, encore une fois, je répète souvent ça en ce moment, mais le coup du RNG, ça commence à fatiguer. Ça fatigue beaucoup. Il paraît que cette année, il y a Wartell, j'en ai déjà parlé. Wartell devrait sortir cette année. Ça, c'est vachement intéressant, ça. Oh là. Ouais, Wartell devrait sortir, donc ça, je suis content. Apparemment, ils vont rajouter une... Comment je vais faire? 21, toi t'es mort.
toi t'es mort. Il reste le moustique et il reste elle. Mais elle est protégée en fait, donc du coup il n'y a que le moustique qui fait chier. Ah mais il est... Ah oui, non mais il a fait son attaque où il protège tout le monde, entourage délirant. Oui d'accord, ok. Pourquoi tu loupes sans déconner? Oui mais du coup ça sert à rien. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ah bah là l'étourdissement il passe hein, t'inquiète hein. Avec moins 40% ça passe hein. Ah non, fais chier. Du coup ça sert à rien que je fasse ça quoi. Pas grave, faut bien que je me soigne. Press this advantage. Give them no quarter. Their formation is broken. Maintain the offensive. Très bien. Seize this momentum. Push on to the task's end. Mais ouais, Wartel, je vais être content. Je vais pouvoir me replonger dans le... dans le jeu. Oh là là. Ça a duré un moment, mais c'est super bien. L'aventure est super bien. Donc, nouvelle région. J'étais en train de parler, désolé. Je suis en train de me couper. Je coupe ma pensée à chaque fois. En ce moment, c'est un peu la galère pour moi. Donc, ouais. Nouvelle région. Après, il y a le mode coop, mais je sais pas qui... avec qui je pourrais jouer. Bah, on pourrait tout voir s'il y a des gens sur Discord. En fait. Il y a ça, il y a nouvelle région, nouvelles habilités. Apparemment, il y aurait un nouveau gameplay, enfin gameplay. On va dire des nouvelles choses qui ont été rajoutées. Genre le campement, on peut l'améliorer. On a un troisième vampire. L'autre, il a critique son soin comme d'habitude. Ouais, le campement, genre l'amélioration du campement, avoir plus d'options pour le campement, ça m'intéresse tellement bien ce système de campement. C'est une boîte française qui fait ce jeu, quoi. Ils ont eu tellement d'idées, ça tue. Donc ouais, ça, en jeu de stratégie, honnêtement, ça me plaît. Parce que c'est vrai que le RNG de Darkest Dungeon, c'est bien, parce que on va dire que j'ai fait un très très bon run. Tout le long, honnêtement, c'est quand même vachement bien passé. Tout le long du jeu. Mais oui, ça fatigue un peu des fois. Après là, ça commence vraiment à me fatiguer. Il y a une... J'ai vu un site, mais bon, les gens, ils aiment bien mettre n'importe quoi. Un article plutôt où ça parlait d'XCOM en disant que XCOM 3 est mort et tout ça, enfin il n'y en aura pas et tout. Les mecs ils ont aucune info en fait. Hein. Après on en parlait sur le Discord. C'est vrai que XCOM en fait maintenant il est le 2, ça fait un petit moment qu'il est sorti, après il y en a eu un autre. XCOM Chimera je crois. Attends. Ah oui, toi t'es l'autre, t'es la mégère encapuchonnée, t'es pas comme l'autre. Est-ce que ça vaut le coup? Pourquoi pas. Ouais, c'est un peu de la merde ce que tu veux. Et du coup, je disais en fait que c'est vrai que XCOM, XCOM, ils se sont un peu bloqués parce qu'il faut qu'ils se renouvellent. Ils veulent sortir un 3. Ah, attends, c'est pas exactement le même dessin. Quoique, si. Si, c'est le même dessin. Ok, ouais. Non, mais on a trouvé la porte rouge, c'est déjà ça. Il faut complètement, en fait, qu'ils se renouvellent
XCOM pour devenir intéressant. Parce que, comme j'ai dit, le RNG, c'est sympa dans les RPG et tout ça, mais ça fatigue. Je pense que personne, en fait, aime le RNG, au final, dans un jeu de stratégie. Les jeux de stratégie, il est bien parce que bah, le jeu est bien, en fait. Mais des fois, ça devient extrêmement frustrant et ça fait, du coup, détester le jeu. C'est ce qui arrive pour Darkest Dungeon, par exemple. Nous, on a eu un bon run, mais j'ai eu des conneries où les gens sont morts pour rien, ou des conneries comme ça. Et ça, en fait, c'est la faute du RNG. Ça, c'est fatigant. Et XCOM, c'est un des pires pour ça. Et je me suis dit que, bah, au final, ouais, s'ils veulent sortir un 3, il faut qu'ils se renouvellent. Il faut qu'ils fassent quelque chose de mieux, d'intéressant, qui change. Parce qu'il y a tellement de jeux de stratégie maintenant de nos jours qui sont devenus extrêmement bons et qui sont avec des nouvelles idées et tout, que c'est... que voilà quoi. XCOM doit rivaliser avec des gros jeux maintenant. Déjà que XCOM 2, quand il est sorti, il n'était pas énormément bien, honnêtement. Moi j'en avais parlé, j'avais expliqué pourquoi, évidemment les gens... Puis après il y a eu le DLC, la grosse extension, j'ai envie de dire. Je sais plus le nom. Et là, le jeu était nettement mieux. Tout le monde adorait. Ah, c'est bizarre, hein. Alors que j'avais expliqué que j'avais dit il manquait ça, ça et ça. Puis après, le DLC, il rajoutait énormément de choses que j'avais dit. Enfin bref. On m'a fait marrer, ça aussi. Qui on va tuer, toi? Mais elle est chiante à buffer tout le monde. Enfin, tout le monde est chiant, là. Les trois sont chiants. Ouais. Et ouais, du coup, il faut se renouveler. Parce que, comme j'ai dit, comparer CXCOM à Wartels, honnêtement, Wartels est nettement mieux. Et là, ça commence à sentir mauvais. C'est 3 tours. Ouais, on va faire lui d'abord, très bien. Ok. Si elle touche... Incroyable. Incroyable. Donc, toi tu es à 73 esquive. Elle a moins 15 de précision. Et elle a quand même touché. C'est incroyable. C'est pour ça que ça commence légèrement à me fatiguer en fait de jouer. Darkest Dungeon, j'en peux plus. Pourtant j'essaye de faire abstraction de ça, mais. Compliqué. Hein. C'est compliqué tout ça. Chier, on a encore un combat. On est bas en vie, ça n'a pas très bien fonctionné tout ça. Il est où le combat? Non, il est encore... Ça, on va pas le toucher. Il y a encore un combat. Okay. C'est marrant, là, on se soigne moins, en fait. Je suis sûr que je faisais du 5 de 100 soins quand j'étais en donjon. Après, non, c'est pas grave. Alors. Ah, ils vont me faire super mal. Parce que notre esquive, elle est jamais assez puissante, apparemment.
Et critique encore de soin 20. En 20 minutes, en un run, ils ont au moins critiqué 3 fois leurs soins. Je crois. Ils ont au moins critiqué 3 fois. C'est incroyable quand même. Comme ça, on tue lui. Ça me gavait. C'est incroyable. Putain, par contre, ça c'est un truc que je vais faire, c'est que parce que je dis que le 2 je vais le prendre et tout ça, je vais sûrement le prendre en Darkest Dungeon 2, honnêtement. Je suis assez fan du, je suis fan du 1, donc je vais voir comment est le 2. Mais à sa sortie, je crois que je vais pas le prendre direct. Oh, putain de merde. Je vais pas le prendre direct, je vais d'abord regarder comment ça se joue. Oh mon dieu! Sans déconner. Ok, cool. On peut la soigner. Teetering on the brink, facing the abyss. C'est bien, hein, on va devoir partir. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Quoi ça, vitesse 2. Non mais je vais pas avec ça, je vais pas jouer avec ça. C'était bien, hein. Bon, on va utiliser un groupe normal parce que là... Alors, remplacer robuste. Bon, après on a des c'est pas très grave. Time, on a des on a des invites, mais voilà, ça casse un peu les noix quand même. Hein. Comme j'ai dit, le RNG qui gâche le jeu. Alors, attends. Kula est embarqué pour une quête, nous dit une personne dans l'espoir d'atteindre l'illumination des anges. Ok, on est bon. Merde, j'aurais dû regarder. Oui, il y a Druel qui a un truc intéressant. Alors Druel, il y a la précision ou alors le prodige. Je pense qu'on va bloquer prodige. Parce que c'est pas mal. Mélodie exaltante. Compulsion, on va enlever compulsion. Ouais, on a encore 73 000, ça va. Toi, il n'y a rien... intéressant. Tout ça, très bien. Bon, on est reparti. On va refaire un groupe. Cette fois, on va faire un groupe normal, hein, parce que... Ah, tiens, on peut reprendre 800, parce que honnêtement, il est vraiment bien. Quand même, on peut reprendre 800. On peut... Giant Dad. J'aime beaucoup Giant Dad. J'ai un peu rejoué Gaël et tout ça aussi, je l'ai augmenté, c'était sympa, c'est bien passé. Pour rejouer Giant Dad, on va prendre un Vestal par contre. Ouais, on va prendre Emerald Herald.
Il nous faudrait un mec au loin, ou alors en deuxième, et le chien, on le met au fond. Il y a Vaughan. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu de tir. Par contre, on n'a pas la marque. Ouais, non, peut-être pas Vaughan. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qui est-ce qu'on peut mettre? Compétence de précision. On prend Woodville. Genre lui, il restera à l'arrière. Il aura une marque, mais ça c'est pour surtout pour enlever la protection. Après on peut... Ah oui, il y a un truc qu'on pourrait faire, mais... Je pense que ça va être du gâchis. On peut tester. C'est ça. Mais il a pas... vraiment de choses intéressantes. Ah, il a l'ignore de la furtivité, j'avoue que ça c'est intéressant. Alors là on a de la marque. Toi, t'es normal. Bah, tiens, on peut faire ça en fait. Si je dis pas de conneries, oui, on peut faire ça. Toi, tu restes comme ça. Tu vas retirer les cadavres si besoin. Quoique, non, on a qu'à lui mettre le super buff là. Parce que si jamais on tombe sur un boss. Toi, par contre, toi, t'as beaucoup d'HP, je suis content. Mais je vois pas vraiment ton utilité. Mais bon, j'ai envie de le jouer un peu. Là, on a quoi? Dégâts contre la marque, dégâts contre l'étourdissement et le saignement. Esquive moins 10. Esquive moins 10, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Là, déplacement, étourdissement, moins 20%. Non, ça, c'est trop chiant. De dégâts contre les marques, précision contre les marques, critique contre les tailles 2. C'est pas vraiment intéressant ça. Je sais pas trop comment le jouer lui à chaque fois. Là on a quoi? On a les stuns. Genre avant, arrière. Là on a la marque de mort. Là on a l'action. Là on a le dégât. Là on a les dégâts contre l'étourdissement, ça sert à rien, on va mettre ça. Enfin ça, oui, ça sert pas à grand chose là maintenant. Donc on va mettre ça. Honnêtement c'est très très bon hein, mais ah ouais le... L'esquive moins 10, aïe 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 quoi. Hein. À la limite, il y a Giant Dad qui peut tanker. Lui, on le met full dégâts. Critique et dégâts. Ah oui, il n'y a pas des trucs contre les suceurs de sang. Désolé, j'ai pas coupé. Si je mets trop de temps, je couperai. Mais non, normalement, on a notre groupe assez vite. Je voudrais bien qu'ils mettent les objets qui les classent pour les suceurs de sang là. Non, pas le fanatique. Je crois que c'est un miroir, c'est ça. Je sais même pas si j'en ai un en fait. Parce qu'à chaque fois j'ai voulu le récupérer, mais je crois qu'il s'est toujours passé quelque chose. Dégâts 25% contre les suceurs de sang. Ouais, à la limite, ouais. Mais t'as intérêt à faire des critiques de fou, hein. T'as intérêt de faire super mal. Hein. Il vient d'où ton attribut de 5% de critique là? Compétence à distance, oui, mais c'est pas ça. Ouais. Je
je suis pas très très vendu en fait. Ouais, on peut. Allez, on peut tester à la limite. Toi, je crois qu'on va te mettre. Ah oui, on va peut-être mettre le nouvel objet là, juste le kiff de l'utiliser. Ça. Avec ça, parce que c'est vrai que d'être toujours stun, c'est un problème. Toi, tu vas faire ça, comme ça tu saignes plus souvent. Giant Dad. Voilà, très bien. Je vais être franc, je suis pas convaincu de l'équipe. Je suis pas convaincu de l'équipe, mais attendez. Non, je crois qu'on est bon. Excusez-moi, j'étais en train de regarder pour être sûr. Ouais, allez, on y va. Let's go. Il y a aussi un truc que je faut que je teste, c'est j'ai pris des pelles. Ok, c'est bon. Les comment ça s'appelle, les abominations. J'en ai augmenté deux du coup, et en fait j'ai un peu. Je les ai un peu laissés de côté, je les ai pas reprises, retestées pour des gros trucs en fait. Donc ouais, ça aussi il faut que je me mette dessus. J'ai pas pris de sang. Non, c'est trop vite. Putain, débile. Oh non, c'est le boss. Ouais. Je vais pas. Oh, dis-moi qu'il y a du sang. Non mais le touche pas. Je suis en train de me dire, est-ce que ça vaudrait pas le coup de sortir et prendre plein de sang, voir si on peut récupérer plein d'objets. Non. Bilan de dépérissement, d'accord. Okay. Where there is no peril in the task, there can be no glory in its accomplishment. Okay. Comment gaspiller une invite? Mais là, il y a plein de choses avec du sang. Je me demande si ça vaut le coup de. C'est quoi ça? Fête du village. Le village est illuminé par un esprit de bienveillance et de fête, mais cette célébration de la vie ne devrait pas durer longtemps. Tous les traitements sont gratuits. Les traitements? Ah, c'est joli, j'ai jamais eu ça. In time, you will know the tragic tous les extent traitements of my sont gratuits. Non, mais c'est toute la ville. J'ai jamais eu ça. Ça tue. Attends. On va refaire une équipe. On va refaire une équipe. Mais du coup, je me demande si ça vaut le coup, en fait, d'utiliser le sang. Tous les traitements sont gratuits, c'est fou. Même si je vais être honnête, il n'y a pas grand chose qui est intéressant, en fait. Surtout ça.
Bah attendez, on va mettre des gens partout en fait. On va d'abord faire une autre équipe pour le... Pour le boss du coup. Bon, je suis d'accord pour... C'est la comtesse, donc je sais pas comment on la joue. Donc Giant Dan, mais il me faut du sang parce que je suis un peu débile. Donc il me faut du sang. Je crois qu'on avait une bonne équipe en fait. Hein. Je pense qu'on avait une bonne équipe. Par contre, du coup, on va pas mettre... On va pas mettre... Comment il s'appelle ? Le mec là. On peut mettre Vanguard. Vanguard en fait c'est bien pour buffer et pour rester en vie. Après lui pour faire des gros dégâts. Mais du coup on n'aurait pas de saignement. Ah non si si on prend le chien. Parce que là de toute façon je peux pas jouer avec... En fait oui moi je voulais prendre un flageolant c'est pour ça. Je suis en train de réfléchir dans ma tête mais je suis en train de faire ça. Ouais on refait ça. Sauf que on a le avant-garde cette fois. Esquive. Alors attends, du coup c'est toi qui prends la précision. Stress moins 20, comment ça se campement, c'est pas intéressant. Merde. Il nous faudrait de la précision en fait. C'est fou en fait, j'en ai jamais eu des miroirs là qui. Parce que regardez, c'est ça que je. Je suis sûr qu'il y en a en plus à récupérer. Là, ça. Vitesse 4 et. Bon après, non, c'est vitesse 4, c'est une touriste. Ouais, en fait, c'est pas très intéressant. Mais ouais, au final, j'en ai jamais eu des. Bon, en fait, il n'y a rien avec... oui, si, il y a ça, à la limite. Je peux faire ça et mettre l'anneau sur lui. Parce que c'est lui qui va tanker. Enfin, les deux, ils vont tanker, de toute façon. Ouais, je lui mets de la précision parce que... parce qu'il en faut, tout simplement. Attends. À la limite, toi, on peut mettre ça, je suis bête. On peut mettre ça, c'est mieux. Hop. Ça. Ah, on va mettre. On va prendre des bonus pour le refaire plusieurs fois, tiens. On va prendre des cristaux, là. Protection à la place. Ok. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal comme ça. Ok, maintenant je vais mettre les gens. Les gens au sénatorium et tout. S'ils ont des trucs à virer. Genre ça, de poussière, c'est chiant. Donc vire-moi ça. Après, il n'y a rien à bloquer de toute façon. Alors, ceux qui sont pas... qui sont pas contaminés, uniquement une close, non... T'es vampirique, fais chier. Toi... Résistance aux étourdissements, moins 10%, c'est chiant. Précision moins 10 contre l'infection, c'est chiant. Voilà, très bien. Ah, je vais tout mettre tout le monde en partout en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, toi. Vire-moi ça, toi. Vire-moi ça. Il y a tout le monde qui va être occupé, ça va être marrant. Genre, quand on va sortir du prochain combat, on aura plein de messages. Et après, pour le stress, de toute façon, honnêtement, je crois que j'ai.
Ah, quoi que. Attends, c'est ici où il y a plein de vampires. Évidemment, putain, on est bloqué par tellement de trucs, quoi. Qu'on en... Oui, non, ça sert à rien de les mettre, juste pour les mettre. Ok. Je pense qu'on est bon. Cette fois, on va pas faire de la merde. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on prend du sang en plus pour l'échanger là contre tous les curieux qu'il y a là, ou alors on s'en fout. Après, je dois avouer qu'on n'a jamais rien eu de très très intéressant. Des trucs. Donc, ça m'étonnerait que ça soit intéressant. Bon, tout le monde est équipé. Ok. C'est parti. Oui. Alors, on prend ça. Ça m'embête d'utiliser des cristaux, mais. On va en prendre 3. Donc, ce que je veux faire, je veux refaire plusieurs fois, c'est ça. Comme ça, on peut spammer quelques esquives. Ça serait vachement utile. Après, lui, je vois pas trop ce qu'on pourrait spammer. Il a 2 habilités uniques. Enfin, spammer, façon de parler. On va en prendre 4. Ça. Ok, ça c'est les choses pour nous enlever les problèmes. Les torches, la nourriture. La nourriture, on n'a pas vraiment besoin, mais c'est pour nous soigner. Je sais pas en fait. Est-ce que ça vaut le coup, comme j'ai dit, de spammer le sang, j'en sais rien. Ça, on va le virer. Ok, je pense qu'on est bien là. On peut prendre... ça si on en a besoin. Parce qu'après le boss, en fait, on va sûrement avoir besoin de quelque chose, de faire un peu de chemin là pour trouver des objets. Par contre, je veux bien en prendre 4 de plus. Parce qu'on va se buffer. Là, on a le sang, on a la poussière. On va en prendre 5 de poussière. Bon, cette fois on est bon. Cette fois on est bon. Peut-être notre dernier épisode sur Darkest Dungeon. C'est marrant. Un peu si ça vaut le coup. C'est de la merde. Ah, ça c'est intéressant ça. Je crois que c'est ce qui me manquait. J'en voulais un de... Je sais qu'il y en a d'autres derrière, mais on va pas les faire. J'ai pas envie de revenir en arrière. J'en ai fait l'étourdissement, j'en ai fait une infection. Mais c'est pour les abominations en plus. Ok. Ok, donc là c'est boss. Donc j'en ai pris 4 exprès. Très bien. Là, on peut faire double furie sanguinaire. Mais on va déjà le booster à la poussière d'éclat. Donc, honnêtement, c'est pas vraiment conseillé. Ok, c'est parti.
Countess arrives, anomalous in aspect, and bent on exacting terrible revenge from beyond the bounds of decency. 480. Eh ben putain. Ouais, on peut que la saigner, et encore. 140 d'étourdissement. Oh putain. Ah, vas-y, fais-moi rire. Oh, pas passé. Par contre, elle a une vitesse que de 4. Elle a de la protection, évidemment. Elle joue 3 fois, évidemment. Elle a pas eu le malus, c'est bien. Oh, wow, wow, c'est quoi ce truc dégueulasse? Putain. Oh, elle a une sale gueule. Elle a fait stresser autant de gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que je fais? Je spam ça ou ça en fait? Là c'est quoi? 5 à 9 de dégâts et là c'est 1 à 3. Je dirais plus de saignement, mieux c'est. Oh, ça me pompe ma vie, je crois. Non? Ou alors c'est parce que je lui ai fait des dégâts? Oula, qu'est-ce qu'elle fait? Oh! Ok, donc ça. Ok, très bien, ça va nous aider. Brilliant confluence of skill and purpose. Ah, en fait, c'était le moment de l'attaquer, c'est ça? Wow! Proposition à descendre. Oh là là. Ok, ça fait pas trop de mal. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un troisième? En fait, il prend pas trop de stress, en fait, lui. Donc, dans un sens... On est bien à 30, là. Ouais, esquive 30. Donc, je peux encore le faire. Le truc, ce qui est intéressant avec l'homme d'arme, en fait, je pense que c'est... Honnêtement, on peut exploiter le truc... Que plus il fait son attaque et plus il stresse moins en fait. Et donc je crois que ça stresse de moins en moins du coup avec entre le buff et de refaire ça. Je suis quasiment certain. On va soigner tout le monde. Évidemment. On n'a pas vraiment commencé à lui faire de dégâts encore. On va dire. 13 à 27. Ouais, les dégâts, c'est de la merde. Après, est-ce que ça vaut le coup sur lui? Non, mais lui, il va prendre cher en stress. Quoi qu'après, je peux le soigner, le stress. Impressive. Ouh, joli! Ouh, 35. Ah, c'est aléatoire. Ok, ça marche. C'est aléatoire, je crois. Est-ce qu'on peut la marquer avec des bugs? Ouh. Ah, c'est parce qu'il l'a attaqué, quoi.
Enfin, techniquement, oui, t'as besoin d'un bandage. Ça va. Ok, là, on va lui faire mal. Bien sûr, tu fais pas de critique. Oh putain. Ah bah oui hein. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi elle est passée devant? Oh là là, et pourquoi on esquive pas quoi? Mélanger un tour. Ah, c'est à cause du pustule. Je vais voir si je fais ça. Ouais, mon estomac se tord, d'accord. Okay. Ok, fin critique, je t'en supplie. On va se soigner en fait. Je me suis préparé pour attaquer, mais en fait, on se soigne. Ah, ok, là elle est faible. D'accord. Bon, bah c'est bien. C'était vachement utile, dis-moi. Momentary abatement. Ah, elle va stun les deux. Encore une fois, heureux qu'on lui a pas mis stun. Résistance à stun en moins. Oh là là, putain, tout le monde se prend des dégâts quoi. J'adore le fait d'avoir... ça. The ground quakes. Ça n'a pas fait mal. J'adore le fait d'avoir 40 d'esquive. Ah putain, puis en plus ça peut se soigner. 40 d'esquive, mais quasiment rien esquivé. Ça me fait plaisir honnêtement. De toute façon, maintenant, on peut plus le faire, je crois, parce que il est en folie, là. C'est incroyable de rien esquiver comme ça. Non, bah tout le monde a... Oh, oh, on dirait qu'elle a besoin de sang. Non, mais elle va faire que des AOE, de toute façon, ça sert à rien. Oh, bah tiens. Bon, comment ça marche les trucs? Au bout d'un moment ils explosent en fait. On peut strictement rien faire. Ça me fait la saigner quoi. Double fury. Ah, ça fait un certain dégât, ça met pas... Okay.
Par contre, ouais, là, on dirait qu'elle a besoin de sang, en fait. Oh là là. Ah, en fait, ça vient d'exploser. Elle est buffée, c'est ça. Bah, vu les dégâts qu'on va faire, honnêtement... Temps de soigner. Jamais la saigner en fait. On va se mettre là. Comme ça on peut faire l'autre attaque. Ouais, bof. Cette protection pour mon trois tours. Je sais pas quoi faire en fait, je sais pas comment lui faire des dégâts. 1 à 9, 1 à 2. Ou alors je la marque, mais 140 de pourcent de résistance au malus, honnêtement. Ouais, voilà, c'est mieux. Lui, j'ai envie de le booster à la poussière d'éclat pour qu'il réutilise ses buffs en fait. J'ai l'impression d'avoir avalé des épingles. Très joli. Oh, oh, oh. Perched at the very precipice of oblivion. Oh là là. Pas assez de soins en fait. Que je fais, j'attaque ou je me soigne? Là, elle est en... Je l'ai jamais attaqué quand elle était en position faible, donc est-ce que ça va faire quelque chose? Est-ce que ça fait exploser le truc ou pas? Ça m'a fait tort, non. Ok. Je pense qu'on va devoir se soigner quand même. Quel bordel. Pas envie là.
devastating blow. Ok, très bien, attention. J'ai l'impression que c'est pas égal le nombre de tours, j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire, non? And now the true test. Hold fast or expire. Super. Ça. Je voudrais que tu continues à critique en fait. Ok. On fait quoi là, on soigne ou pas? Il va être dans la merde si on se soigne pas, je pense. Okay, très bien. Tu peux rester calme. Reste calme quoi. Ok, un 12. Ah oh, mais c'est sur elle, bordel. Il n'y a que Giant Dad qui fait des dégâts en fait. Oh la vache. Oh mon dieu. Ok. Putain, elle rejoue direct quoi. C'est... Me la stun pas, honnêtement c'est juste que ce que je te demande c'est de pas me la stunner quoi. Attendre. Ok, un bon critique, ça serait vraiment, vraiment sympa. Est-ce que tu as... Attends. Hop. On t'enlève quelques malus. 13. Ok, tu fais pas de critique, c'est relou. Aïe 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 aïe. Ah non, c'est pas ça, c'est pas le truc qui fait mélanger en fait, c'est juste une habilité quoi, c'est intéressant. Ça... Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement si on l'attaque, je crois, que ça explose au bout d'un moment. J'ai l'impression. Donc, tant qu'on on l'attaque pas, ça va. Mais bon, on est obligé, quoi. Ok, très bien. Alors, ça... merde, il peut rien faire. Alors, on met la riposte. Ok, bien, 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 bien. On est bon, je crois. On est bon. The wounds of war can be healed, but never hidden. Ouh!
coffre. Le coffre contient une clé. Clé verte. Alors, ça c'est quoi? C'est homme d'armes. Ah, ça y est, change d'infligé un terreau dans 15%, ça va. Change d'infligé un malus. Bof, résistance au coup fatal 15%, ça c'est bien. Stress plus 10%. L'étourdissement c'est intéressant. Le malus c'est moins intéressant. En fait, le malus c'est ça. Honnêtement, c'est pas vraiment intéressant comme malus. Non, c'est... Bah, c'est bien, hein. Ah, j'aime bien le résistance coup fatal 15%, mais l'homme d'armes, c'est pas vraiment le mec qui va tomber, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quoi pour l'abomination? Stress moins 15, esquive 10. Dégâts plus 20 si en position. Ah, d'accord. Du coup, on a trouvé la clé verte. Bon, on va aller voir ce que ça ouvre. En théorie, on devrait s'en sortir. A handsome reward for a task well performed. C'est de la merde. On va aller voir ce que ça ouvre, la clé verte. Bon, bah, je suis content. On a, en théorie, on a fait tous les boss. Alors, ça a bien marché, hein, le boost là. De sniffer de la poussière d'étoile. Sniffer de la poussière d'étoile, c'est pas mal. Ça a bien fonctionné, je suis content. C'était pas l'esquive la plus parfaite, hein, faut l'avouer, mais je crois que ça a bien fonctionné quand même. Ce 40, c'était quand même pas mal. Et après, le stress, je pense que ça nous a aidé. Il y a que Vanguard qui a stressé, bah parce que voilà, la poussière d'étoile, hein, surtout. Mais tout le reste, on s'en est bien sorti alors qu'elle... Oh putain, il y a un combat, fait chier. Alors qu'elle faisait des bonnes attaques bien chiantes. Donc ça va, je suis content. Giant Dad qui a fait très très mal comme d'habitude. Surtout quand c'était du critique. Ouais, je suis pas très content là du combat. Ça devrait aller. Oh là là. Bon, déjà on a la surprise, c'est déjà bien. Champ de vertu, moins 20, passe plus 30. Après, son combat était un peu spécial, hein. J'avoue que je sais pas si j'ai vraiment tout saisi en fait de comment ça fonctionnait. Donc elle nous met ces sortes de pustules là. J'aime pas ce mot, je vais arrêter de l'utiliser. Elle nous met ces trucs bizarres dans l'estomac apparemment, parce que les gens n'arrêtaient pas de se plaindre qu'ils avaient mal à l'estomac. Et quand on la tape... Oh là là. Attendez. Voilà. Quand on la tape, nique-toi. Ça nous fait des dégâts. Et au bout d'un certain nombre de tours, ça...
Ça explose. Mais j'ai pas l'impression que les tours étaient vraiment bien précis. Des fois ça explosait au bout de 2, des fois au bout de 3, je crois. Mais en gros c'est ça. Et elle, elle avait un truc un peu étrange. Sérieux. Elle, elle avait un système un peu étrange où elle se mettait en position de faiblesse, puis après elle se remettait en position de force. J'ai pas trop bien pigé. Faut que j'enlève l'horreur là. Oh là là, qu'est-ce qui fait mal ? Voilà, très bien. Ça sert à rien que j'enlève l'horreur, honnêtement. Tu peux pas faire un peu de critique, toi? Comme ça, tu te soignes. D'agiter ma jambe, c'est pour ça que des fois vous voyez la souris sauter comme ça. Très bien, déjà il y a le Pabo Cthulhu là qui... Oh yes. Bah, se passe ok. J'ai envie de garder les poussières au cas où si on tombe sur sur une saloperie, honnêtement. J'espère qu'il n'y a pas une sorte de boss caché. Je veux pas tomber sur le crocodile. Honnêtement, si on tombe sur un truc comme ça, je sais que il va sûrement nous donner une babiole de la cour. Donc théoriquement, c'est vachement bien. Hein? Mais non, je me casse. Je crois que je me... Enfin, on peut combattre un peu et voir où ça va, mais... Mais ouais, on va faire très attention. Oh non, ça continue. Ah, c'est sûrement ça. Dis-moi que c'est juste une, un trésor. Juste un trésor, s'il te plaît. Juste un trésor. Je veux pas de combat. Ok, c'est pas fini. Il y a combien de... Une clé rouge sûrement, non? Non, une clé bleue. Une clé bleue. Parce que là, il y a la clé rouge, mais là, il y avait aussi la clé rouge. Donc, en fait, c'est pour débloquer un chemin. La clé... On n'a pas de porte bleue. Donc, après. C'est un peu con de mettre une clé... Oh, oh la vache! C'est un peu con de nous mettre une... clé juste pour une porte après, quoi. Precision and power.
Là, on a un groupe de merde. Ils font pas trop mal, ça va. Ouais, mais c'est parce que c'est la version stun en fait, c'est pour ça qu'elle fait pas trop mal. Oh, esquive moins 50, j'avais oublié. Oh là 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 là, oui, on a encore des herbes. Quelle merde. Après, les dégâts de merde, quoi, c'est ouf. C'est bien long tout ça. Oh, on les a juste au saignement quoi. Le Giant Day, il a décidé de pas faire de dégâts. Encore eux qui sont lents hein, qui vont se prendre tous les saignements. Quoi qu'ils sont bien augmentés. Enfin, ce que je veux dire c'est que le maître chien passe devant quoi. Donc ça va. Oh là là. Allez, ça y est. Close in. The shadows whisper of conspiracy. Deb. Très bien. Great is the weapon that cuts on its own. Slowly, gently. This is how a life is taken. Stress. Lui, elle. Je savais pas à qui donner. Ah, lui, il prend un 5. Pas mal. Bon. A hideous mutation, unnatural and abhorrent. Sans déconner. Et en plus, on doit le combattre avec 3 personnes. Non, 2, pardon. 2, 2, 2. 2 en folie, là. J'ai pas envie. Ça va durer un moment, en plus. Hein. Il est chiant. Hein. Quel merde. Ouais, ça commence. Oh.
pense qu'on va tous partir. Aïe. Bon, ce qui est bien, c'est que le maître chien, il peut taper à n'importe quel endroit. Ça va être la merde. Je peux faire ça, mais je crois que ça va plus le foutre dans la merde que chose. On va quitter hein, si c'est trop la merde. On va essayer de lui faire des dégâts. Comme ça on se soigne en même temps. Je crois que c'était assez dangereux parce que si elle loupe le choc. Ok, très bien. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Bah, je pourrais te doubler. Comme ça, on t'augmente les dégâts à la limite. Pas mal. Oh là là, les HP qui... Oh. Ah, t'aurais pas pu mettre un saignement pendant le critique? Oh, va te faire mettre. Putain. Incroyable. Pas lui. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ça me saoule. More dust, more ashes, more disappointment. Débile quoi. Complètement débile ce jeu. Pas y arriver. Injury and despite.
abundance set the stage for heroism or cowardice. Fais un crit. Oh, merci. Et il nous faut encore 2 ou 3 tours quoi, pour le tuer. Ah, putain. Là, je peux rien. J'ai pas vraiment de manœuvre là. Y a que le Giant Dan en fait qui peut faire juste des gros dégâts. Et c'est tout. Peur tapis. Putain, reprends pas d'HP. La lumière reprend le destin plus bas. Allez, peut-être un coup de Giant Dad et c'est bon. Yes. Ah. Continue the onslaught. Destroy them all. Eh ben, ça valait pas vraiment le coup. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. C'est bon, on a fini. Sans déco. Ah, ok, putain. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit, il y a encore une salle, quoi. On va aller à la salle secrète et on se casse. Putain, on a perdu le chien. Ah ouais, t'as une dette envers moi. Ah, peut-être avoir une cinématique. The rusted, moss-covered gates of the courtyard hang open, but the demoniacal pests will spread no further than its blood-soaked boundaries. And so, at last, the end of my beginning. Ok. Des vagues de soulagement submergent le hameau alors que la bonne nouvelle se répand, la comtesse est morte et sa malédiction est désormais guérissable. Retire malédiction pour tous les héros, donc ça c'est ce qu'on avait. La malédiction pour peut désormais être soignée au sanatorium. Ah, ça m'emmerde que l'autre soit mort. 5, 6. Oh, il y aura un boss gardien du jardin. Chasseur de primes. Moyen. Destroyer une ruine de la cour et empêcher le gardien de s'échapper. D'accord, donc il y a encore un boss. Oh, on n'a pas fini quoi, et on a perdu notre chien. Fait chier, ça me rend fou ça. Le maître chien a subi une crise cardiaque. Hein. Mais c'est pas grave, hein. On se débrouillera sans. Ah oui, il faut voir la personne qu'on a. Champion médecin de peste. Ouais, un truc à venir avec nous. Enfin, honnêtement, tu sers un peu à rien. Quoi. Bon, on a qu'à te prendre et on verra plus tard. Bah après,
Wissant peut revenir un jour ou l'autre, hein, vu que c'est aléatoire l'événement là. Parce que nous, on a quand même récupéré notre bouffon et Gaël. Donc en théorie, on peut avoir, oui, on peut avoir Wissant qui revient. Bon. Critique et précision. Pas mal, ça. Donc bon, on va pas trop. On va pas trop le pleurer, il peut revenir, et puis de toute façon, après, bon, on en a un autre, même si c'est pas le meilleur des meilleurs, mais on a un autre, que j'étais en train de monter. Il a des bonnes choses, lui aussi. Je lui ai verrouillé donc les dégâts, je lui ai verrouillé vitesse et esquive, je lui ai verrouillé de la précision en plus. Même si précision en plus, maintenant que j'y pense... Peut-être pas la meilleure chose, j'en sais rien en fait. Pas quoi que non, si ça va. De toute façon, il a déjà de la vitesse. Mais ouais, donc voilà. Lui il peut faire le boulot pour l'instant. Il faut juste que je le monte, quoi. Il peut faire le boulot. On va s'arrêter là. Ah, je suis un peu deg, quoi. Il fallait juste qu'il résiste, genre, un tour, quoi. C'est fou. Enfin, bref, ça m'énerve. Comme j'ai dit, ce jeu, hein. Alors, flageolant, je viens d'infliger un saignement, 35%, c'est pas bon ça. Par contre, on résiste pas au saignement. Là, on a le Vesta, donc compétence de stress plus 33% au campement, compétence de soins 25%, c'est pas beaucoup en fait. L'abomination, c'est sympa. Alors, on va juste regarder un peu les objets qu'on a et on va mettre fin à l'épisode. Du coup, j'ai encore des boss à tuer. Putain, et pourtant, j'étais sûr que j'avais tout fait, en fait. Genre, là... Enfin, c'est peut-être pas sur sa liste, en fait. Non, c'est pas sur sa liste. Bon. Bah, la prochaine fois, on fera ça, du coup. Et on n'a plus besoin de... On n'a plus besoin d'invite, c'est déjà ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut... Genre, se faire... J'imagine... re-empoisonner là par la malédiction, enfin se refaire maudire par la malédiction pourpre, et après on pourra l'enlever si on veut, mais parce qu'en fait ça peut être un bon bonus aussi d'avoir un vampire, parce que ça augmente les dégâts, c'est intéressant. Donc ça, c'est peut-être un boss qui revient souvent, je pense, genre peut-être pour farmer, ou je sais pas trop, pour farmer les objets, je vois que ça. Là, ça m'emmerde qu'ils soient. Comme j'ai dit, il peut peut-être revenir. Alors, bref, un truc que je voulais voir, c'est ça. On fait voir un peu les objets qu'on a eu. Donc, si on lui met ça et ça, est-ce que ça vaut le coup? Donc là, il gagne protection et crit. Bon, la protection est bien. Là, il gagne la chance d'étourdissement, c'est bien, mais c'est pas le meilleur. Le malus, ça sert à rien, vu comment on les utilise. Coup fatal 15%, c'est intéressant parce que ça l'augmente presque à la limite. Je crois que c'est 87 la limite. Stress 10%. Mais après, il a dégâts 25 et précision 10 en riposte. Ouais, parce que moi je lui mettais l'anneau là qui faisait de la précision et de la protection. Donc là en gros, il a protection et précision, mais en plus de ça, il a dégâts et critiques. À la limite, on peut le voir comme ça. Et après, je lui mettais le bouclier. Je lui mettais ça, donc il avait esquive et renvoie les dégâts. Bon, renvoie les dégâts, c'est vrai que c'est pas énorme. Mais après, bon, il y avait résistance au stun aussi, c'était bien. Là, on a la chance d'infliger des stuns qui augmentaient. Coup fatal, c'est pas vraiment intéressant, quoi. Ouais, le malus, je sais pas comment on pourrait... Comme ça. En gros, faudrait jouer comme ça, tout le temps en riposte. Il balance un malus. Ouais, c'est des objets... On va dire que c'est potable. Le mieux reste encore le maître chien, je crois. Le bonus du maître chien en tout. Mais ça va, c'est potable, on peut l'utiliser.
Le croisé, on l'avait vu. Fais voir le flagellant. Fais voir Druel si on te met les deux parties. Alors, 83% de résistance. Donc, change d'infini à saignement plus 35%. Extrêmement bon, ça. La résistance saignement, ça c'est chiant, parce que du coup, il va se saigner s'il fait un régène sur les autres. PV max 20%, c'est sympa. Résistance au déplacement, c'est toujours bon à prendre, mais c'est pas vraiment le truc qui arrive le souvent. C'est pas... Le truc, c'est que ce que je pense, Vanguard, il peut rester comme ça dans n'importe quel type de groupe. Même si, bon, il a pas les 45 d'esquive que normalement je fais. Ah, frayeur, tiens, affliction plus 10. Je savais pas que ça lui donnait frayeur, ça donnait de l'esquive en plus. Intéressant ça. Parce que normalement, oui, ouais, il aurait un peu plus d'esquive et tout, mais en fait, ses bonus sont tellement bons. Et puis, de toute façon, l'homme d'arme, c'est super résistant de base. Donc, à la limite, ça passe. Druel, il serait un peu moins résistant, mais mieux dans le saignement. Ah, c'est pas si mal. Ah, on va dire que c'est pas si mal. On peut. Si on veut pas trop réfléchir, on peut utiliser ça, à la limite. Et après, qu'est-ce qu'on a eu? Ça, c'est un peu nul. Antiquaire, on en a qu'un seul. Pilleuse de tombe, on avait dit que c'était un peu nul. Vestal, fais voir Vestal. Vestal. Donc, compétence de mêlée. Donc, mêlée crit et dégâts. Donc, mêlée, crit et dégâts, c'est du mêlée, donc il n'y a que ça qui marche. Tout le reste, c'est de la distance. Donc, c'est que ça qui fait des dégâts, donc c'est honnêtement pas intéressant. Change de vertu, moins 15%, c'est une catastrophe. J'en ai fait un malus, plus 35%. J'en ai fait un étourdissement, plus 35%. Par contre, la change d'étourdissement est vraiment très élevée, du coup. 140 et 35%, c'est pas mal. Le malus, qu'est-ce que c'est le malus? Ça? Ça doit être ça. Ignore la furtivité, sortie de furtivité, ça fait de l'esquive en moins. Esquive en moins, c'est pas intéressant, honnêtement, je préfère précision. Esquive. Non. Et là, compétence de stress, plus 33% au campement. Ouais, quand elle se propose, elle peut déstresser plus facilement. Après, la compétence de soin, 25%. Non, ça, c'est de la merde, honnêtement. À la limite, on peut utiliser le livre. Si on veut pas... genre les malus de ça, par exemple. Des choses comme ça. J'aurais bien voulu que ça soit 30% au lieu de 25%, mais bon. Après, oui, le campement, ça, c'est bien. Mais bon, c'est vraiment pas intéressant en fait. On peut ne pas l'utiliser. Ouais, non, c'est pas vraiment un set très intéressant. C'est un peu comme le croisé en fait. Le set, il est pas super intéressant. Chasseur de primes, qu'est-ce qu'il nous donne le truc là, donne... Chasseur de primes. Donc, c'est un déplacement à saignement. Déplacement à 50%, c'est pas mal. Compétence à distance, précision 15%. Un déplacement et un saignement. Ça, c'est... Ouais, là, par contre, c'est vachement élevé là. Parce que déplacement, il y a ça, il y a la traction, il y a la poussée, il y a le mélange. C'est intéressant. Par contre, ça ferait plus un support qu'un dégât en fait. Vous faites un démélangeur et du saignement, en gros, ce serait ça le build. Bon, là il y a des dégâts en plus, mais enfin le esquive moins 10, honnêtement, il fait tellement mal.
Ça, c'est l'abomination, stress et esquif. Ça, c'est intéressant. Mais bon, le dégât en position 1, ça m'étonnerait que ce soit très intéressant. Ça, en fait, ça le pousse à se changer, en fait. La furie, il y a une partie qui a l'air très bien. Et le brise-bouclier aussi, une partie qui a l'air très bien. Le brise-bouclier, je crois que ça va être encore un des plus intéressants. Vu le PV max 15, protection 10, garde inefficace, chambre d'infusion, infection, malus 40%, c'est complètement pété pour le moment. Tout est pété là-dedans, donc faut voir la deuxième partie. Bon, on va s'arrêter là. Moi je ferai peut-être des petits runs pour que nos mecs se reposent et tout. Mais ouais, c'était un grand épisode, c'est un peu long. Désolé. Mais c'est comme ça, ça arrive et on a perdu notre Wissant. Mais bon, peut-être qu'un jour il reviendra. Et ouais, c'est comme ça. Je vais vous laisser sur ça, sur Wissant. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Et bien sûr, on continuera le boss la prochaine fois. Ce boss, ce nouveau boss apparemment. Une statue, je crois, il dit ça, une statue ou un truc. Qui est dans la cour, donc on fera ça. Ah oui, attendez. Pour partir, je vais voir si on pouvait pas augmenter un... Enfin, débloquer un bâtiment. Réduction de stress des héros inactifs accrue de 10 par semaine. Ah, ça c'est bien ça. Pourquoi pas. Très bien. Voilà, parfait. Mais ouais. Bon, on fera ça la prochaine fois. Le gardien du jardin. Ouais, le gardien. Ça doit être une statue, je pense. Explorer les ruines du cours empêche le gardien de s'échapper. Ah, mais je crois que je l'avais vu. C'est pas le gardien avec un bouclier. Je crois qu'on m'avait montré une image de ça. Genre, il faut pas taper le bouclier ou faut pas casser le bouclier, un truc comme ça. Je crois que quelqu'un m'en avait parlé dans un commentaire. Genre, si je trouve une statue avec une sorte vert, une lance, un bouclier, ne pas détruire le bouclier. C'est un peu comme le roi cochon, là. Ou si on tue le petit, il devient fou, là, le gros. Je crois que c'est ça. Bon, on verra ça. Ah, la prochaine fois. Peut-être que je ferai passer quelques semaines pour que les gens déstressent et tout ça. Et on continuera la prochaine fois. À la prochaine. Ciao, ciao.